C'est en fanfare que les femmes ont été célébrées le dimanche 27 août 2023 à l'église méthodiste unie d'Orbaf dans le district de Dabou. C'était à l'occasion de la journée de la femme méthodiste, comme le prévoit le calendrier de l'église. Construire une auberge pour le serviteur de Dieu, c'est le thème retenu cette année pour cette fête. Opportunité pour l'aumônière nationale des femmes d'inviter ses sœurs à exercer l'hospitalité et servir Dieu avec empressement et crainte à l'image de la tsunamite. Mobilisons-nous autour de la présidente nationale et son bureau. Apportons nos contributions pour la construction de notre maison. Mettons-nous à l'œuvre. Soutenons notre présidente. Apportons nos contributions pour que cette bâtisse puisse être élevée. Pour ce grand projet qu'est la Maison de la Femme méthodiste, la présidente veut compter sur l'adhésion et l'engagement de tous, mais principalement de ses sœurs qui constituent la première cible de cet édifice qui est en pleine évolution. Debout comme une seule femme, toutes les femmes chrétiennes méthodistes unies, agissent ensemble pour l'atteinte de l'objectif commun que nous avons défini, la construction de la maison méthodiste de la femme. Femmes de foi, je vous annonce que vos contributions diverses ont permis au Bureau national de faire les fouilles et d'entamer la fondation qui est en voie d'achèvement. Chères sœurs dans le Seigneur, nous vous avons demandé une contribution de 1 000 francs par femme et par an sur une période de 4 ans. Toi qui as un grand prix devant le Seigneur, rejoins-nous, levons-nous toutes et bâtissons. Pour l'édition 2023 de cette fête féminine, le Bureau national de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, UFEMUCI, a voulu s'entourer de ses sœurs du district de Dabou pour témoigner de l'empathie aux veuves. La présidente nationale, à chaque fois qu'il y a ces événements qui passent dans les districts, elle mène une action sociale. Cette année-là, elles ont voulu donner quelque chose aux veuves. Nous avons sélectionné 400 personnes. Il faut servir le Seigneur. Il faut être là. Il faut être compté. Pour que quand il y a ces événements comme ça, qu'on puisse penser à toi. Je suis très heureux d'avoir ce cadeau. Je suis très content. Représentant le très révérend Isaac Akanobu, surintendant du district de Dabou, le président des laïcs du district s'est dit honoré du choix de ce district pour abriter les festivités officielles de la journée de la femme méthodiste. Tout comme le représentant du président du mouvement national des laïcs, Son Excellence Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a, au nom du bishop Benjamin Boni, félicité les femmes pour les initiatives contribuant au développement et à l'expansion de l'Église. Construire une auberge pour le serviteur du Seigneur. Et ce que vous voulez faire là, non seulement ça va abriter les femmes, ça va abriter beaucoup d'hommes de Dieu de passage. Femmes méthodistes, on vous suivait un peu de loin et on voit les actes que vous posez. Et on prend un engagement devant le Seigneur dans son temple. Dieu mettra à votre disposition des moyens pour achever cette maison à sa gloire. Après cette belle célébration, les femmes méthodistes se retrouveront en novembre à Boaké pour la 7e édition de leur convention nationale avec la participation des délégations du Sénégal et du Cameroun.